Ouais, ok, c'est pas près de d'arriver en fait. C'est tellement pas près d'arriver. Bon. Bref, donc ça, et ça c'est juste pour passer le après passer ces trucs-là au tir suivant. Hein. C'est pas. Voilà, c'est pour passer les 54 qui sont là au tir suivant. Hein. C'est pas. C'est pour. Hop, faire les Wyvern Fusion qui sont plus rapides. Ça me coûtait 256 000 RF de les faire. Enfin, de faire chaque truc. Voilà, comme ça après, bah, j'en ai. Enfin, comment dire, j'en fais. En vrai, il faut que j'en fasse combien? En vrai, il faudrait que j'en fasse une vingtaine. En vrai, il faut juste que j'en fasse une vingtaine. Mais bon. Enfin voilà, il faut attendre que ces éléments-là arrivent. Donc on va les laisser faire. En attendant, ce qu'on peut faire. F4. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Et ça, normalement, c'est pas craftable, mais on sait jamais. Enfin, c'est pas spawnable, c'est ça que je voulais dire. Allez, il en manque un ici pour Wizard Core. Ça y est. Hop. On va le mettre là. C'est vrai que j'aurais envie, c'est de. C'est de les mettre dans ma méga machine hein, quand même. Hein. Eh, j'ai pas réagi, mais mes 16K sont finis, résultat. Eh ouais. Voilà. Quarante-trois divisé par 14. Ça fait 3. Je peux les faire. Hop. On va faire. Trois, 16, 4 plus. Et voilà. Bon, je bouffe tout mon quartz, ça sort, hein, mais voilà, au moins je remplis un autre avec vous. Dans une petite demi-heure, ça devrait être bon. Je vous ai pas montré, mais voilà, hein, c'est ici le. Ça, c'est le barrel qui réceptionne les ore miners. Il est constamment full. Enfin, il n'est pas constamment full, il est jamais vide quoi. Ça c'est une certitude, mais voilà quoi. Ah d'accord. Je comprenais pas pourquoi je voyais des chiffres sur le. Mais d'accord, c'est en transparence avec les void miners de derrière. Bon, on s'en est où?
En vrai, ça avance. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que ça arrive? J'avais besoin de tunnel, mais je vais pas refaire ça avec vous. Je réfléchis, hein, mais... Oui. J'ai besoin d'un truc. Alors, je vais en refaire d'autres par contre. On va aller par là. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, le spawn naturel ne fonctionne pas quand je ne suis pas en ligne. Ce qui est logique. Mais c'est pas pour autant que je peux pas faire spawner d'Enderman. Donc c'est bien mon attention. Ici, est-ce que j'ai des trucs? Non, j'ai rien. Hop. Et donc là, l'idée, c'est de... Bah, c'est de faire un spawner Enderman. Ah oui. Ça, je suis embêté. Ici, j'ai pas accès à mon inventaire. Je vais le mettre un peu plus, genre là. Il me faut... Parce que, comme je vous avais déjà expliqué, les arbres ici détruisent ce truc-là si c'est trop proche. Donc je peux pas le mettre au coin là. Voilà, allez, donc il me faut, je disais, levier. Redstone. Et c'est parti. Et donc active Viva Out, hop, on va déjà tous les passer en Viva Out signal. Et là, on va reprendre des mobs. Hop. Et c'est parti.
Ok, déjà un quatrième. Ça va, ça augmente vite. Lui y est pas. Hop. C'est bien ça, il me reste deux à choper, hop, plus qu'un, c'est bon. Bon, je le sais, quand il faudra que je me déconnecte, il faudra que je relance cette machine. Et encore, je le fais parce que voilà, mais en vrai... C'est juste parce que si j'ai besoin d'enderpearl, quoi. Mais en vrai, avec 2 millions d'enderpearl, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. D'ailleurs. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Je sais pas pourquoi. Celui-là, il merde. Mais jamais celui-là. Est-ce que c'est une question de chunk? Est-ce que par hasard là je serais pas à la lisière d'un chunk ou une connerie dans le genre? J'en sais rien. Peut-être que si j'inversais l'exporteur et l'importeur, au moins ça, je suis sûr que ce serait dans le même chunk. Peut-être. Je testerai ça. Ok, on doit avoir les. C'est vrai qu'il y avait deux stacks à crafter. Ça là. Et là. Et il ne manque plus que les blocs de draconium. Bon. Hop. Et ça ne marche pas. Est-ce qu'il est un poil trop bas? Ah non, je crois savoir. Il me semble que lui aussi doit être alimenté en énergie. Non. C'est pas ça. Alors, je vais peut-être l'alimenter quand même. Non, hein, c'est pas ça. Visiblement, c'est pas ça. Est-ce qu'il faut qu'il soit encore un plus haut? Alors j'adore, il a gardé ce qu'il y avait dedans par contre. Oui, c'est ça, ok, d'accord. Il faut qu'il soit au milieu des croix. Ok, et par contre, il n'a pas besoin d'énergie. Donc limite, j'ai mis les croix à un trou, mais c'est pas grave.
Donc là, c'est juste le chargement. Ah d'accord, ok, c'est les anciennes animations. Et on en a un. Ah, output obstruction. En plus, il va falloir que je vire les. Alors, ça je peux résoudre le problème. Voilà. Bon, voilà. Hein. On en a fait un. En vrai, je peux déjà. Je crois que je peux déjà. Non, celle-là a arrêté. Bon, c'est pas grave, hein, mais je peux déjà le remplacer, en fait. C'était surtout ça l'idée. Mais il a repris la charge là où il en était. Ok. Si on l'interrompt, il reprend là où il en était. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Est-ce qu'il est sensible au point que. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah, l'objectif c'est d'en faire, voilà, de faire les. De les remplacer petit à petit. Et donc voilà, hein, comme je disais, de toute façon. Hop. On va pour le moment remplacer ceux qui sont inutilisés. Et si les deux là, je les rajoute. Oui, je peux les rajouter. Hop. Bon, le truc, c'est que c'est pas automatisable. On est obligé de cliquer sur Start à chaque fois. Donc, je vais devoir cliquer sur Start une vingtaine de fois. Mais bon. En vrai, attendez, hop. En crafter. Voilà, on va ajouter le bloc de draconique. Non mais sinon c'est classe, hein. C'est classe quand même. Ça fait énormément de bruit, mais ça reste classe. La charge, elle tient. Question.
Oui, ça marche. Ça réduit le son. Ça réduit le son quand on met un muffler. Bon. Ouais, en vrai, pour le moment, je vais laisser dedans. Dès que j'en aurai quatre, je remplacerai une croix. Et après, ben, va falloir que je me repenche sur tout ce qui est avec les upgrades pour pouvoir upgrader. Ah, d'accord, il y a plusieurs niveaux. Oh purée, d'accord, ok, oh cet enfer! D'accord, ok, c'est pas si simple que c'est. Et à la fin, c'est. Est-ce qu'il me faut. Non, ça va, ça reste en wyvern. Non, si, il faut un chaotique là. Mais il y a la Wakened. Est-ce que la Wakened, je peux pas la faire encore? Non, d'accord, ok. Donc là, je suis en train de faire les wyverns. Après, il va me falloir les Awakened. Mais pour faire les Awakened, il va falloir que je fasse des Awakened ingots. Et ça se fait avec. Ah oui, mais il me faut des cœurs de dragon, je crois. Ouais. Et ça. Et ça, je crois que ça s'obtient en tuant le. L'Under Dragon plusieurs fois. Donc il va falloir que je bute l'Under Dragon plusieurs fois pour avoir... Sachant que la première fois ça marchera pas. Parce que je vais juste choper son apparence et aucun loot. À cause de Morph. C'est terrible cette histoire. En plus putain ça coûte une blinde de faire un. De faire des Awakened. Bon, ben voilà, ça va être ça pendant longtemps. Bon. Juste pour vous montrer l'intérieur. En plein fonctionnement. Parce que c'est cool en vrai de voir. Hop. Oui, je vais virer mon F4. Voilà, ça serait parti, hein, mais j'arrive pas à le saturer par contre. Ça, c'est au compte-goutte, ça arrive, ça prend un, voilà, un four. Et voilà, et je peux comme ça faire rentrer énormément d'items. C'est traité quoi. Voilà, du sable, du truc, voilà.
Mais ça fonctionne bien, hein. Ça fonctionne super bien. Moi, je suis plutôt content de ce truc. Qui fonctionne super bien. Prenez à 3, après je remplacerai une croix. Va falloir que j'aille me faire l'Under Dragon plusieurs fois. Alors, résultat, ce que je vais faire, c'est tout de suite. Hop. C'est faire le craft. Pour pouvoir le faire respawn plusieurs fois. Parce que là, ça va être. Ça va être quelque chose. Alors, j'en ai 4. Hop. Bon, en vrai, je l'ai sorti, mais pour le moment, je vais le ranger. Hop. Alors. Il va falloir que je remette la torche dessus. Là, par contre, ça garde des items à l'intérieur. Ça, faut. Voilà. Ok. Est-ce que. Je sais pas trop si on sent une différence, le fait de, là tout de suite qu'ils ne soient pas tous passés. Mais en soi, voilà, c'est pas. Est-ce que. Ouais, je peux pendant le craft les remettre, c'est pas un souci. En vrai, j'en ai crafté un peu trop. J'ai pas besoin. Si je les remplace au fur et à mesure, j'ai pas besoin de. D'en faire autant de. De crafting fusion. C'est juste voilà quoi.
Qu'est-ce que je peux faire de plus? Bon, je vais couper, je vais faire ça. Et je vous dis si je me lance dans autre chose. À plus tard. Bon, une plombe après. Donc, j'ai remplacé donc tous les fusion crafting par des wyvernes. Voilà. J'en ai une vingtaine. D'ailleurs, que je vais mettre plutôt dans le create. Hop, ici. Voilà, donc j'en ai une vingtaine d'autres pour remplacer au cas où, voilà, les trucs. J'ai déjà mis les Wyvern Fusion Crafting pour le Draconium Block. Donc il va falloir faire des Awakened Draconium Block. Et pour cela, donc il me manque. Donc j'ai déjà mis tous les Draconium Core, hein, donc ils sont déjà disposés. Mais il va me falloir des... Dragon Heart, et donc ça, il va falloir, si je dis pas de bêtises, que je bute le dragon plusieurs fois. Mais il se fait tard, je dois partir. Et par conséquent, je ferai certainement ça plus tard dans la soirée, en timelapse. Donc je ne parlerai pas, et juste vous me verrez buter le dragon en boucle. Je vais déjà faire peut-être les. Alors il me faut. Attendez. Tac tac tac. Comment ça s'appelle? Ce sont des cristals. C'est ça. Les N cristals. Voilà. Donc il va me falloir. Que je vérifie. Attendez. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Donc pour avoir un stack. En espérant que. Ouais. On va faire un stack de plus, hein, histoire d'être sûr. Voilà, et on va donc se faire quelques-uns de cristal. Voilà, je les fabrique. Moi, en tout cas, je dois partir. Donc, voilà. Mais sur ce, bah, je vous laisse avec ce timelapse de tuage en boucle d'Ender Dragon à coup de... À coup de minigun. J'ai hâte. Mais bon. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ah oui, et puis les trois disques qui étaient en fabrication, je les ai mis là, hein. Ils ont fini d'être créés. Voilà. Bon, donc. C'est pas compliqué. Plus jamais ça. Plus jamais Draconic Evolution. J'ai fait l'armure. Ça a été un enfer. Ce truc m'a pompé toute l'énergie de ma base. Pendant plusieurs heures. Plus jamais. Plus jamais. Ça a été un enfer. Ça m'a vidé mes ore miners. Ça m'a tout vidé, tous mes énergies Cell Resonant, tout était vide. C'était infernal. Ma base a mis quasiment la journée à se remettre. Ça a été infernal. Donc voilà, donc plus jamais ça, mais je peux me faire des dragons tant que je veux, je peux me faire un petit peu de d'Awakened, mais si je refais de l'Awakened, je revise ma base. Donc plus jamais. Voilà, bon, j'ai l'armure de Draconic avec toutes les... Alors quasiment toutes les upgrades en Draconic, c'est-à-dire à l'équivalent du tier 3, il y a juste le jump boost sur les chaussures que j'ai pas pris parce que j'en ai pas l'intérêt. Mais sinon, voilà, j'ai tout. Alors, pour vous montrer le merdier que c'est, si je vous montre le merdier que c'est, à Draconic. Alors,
Donc, une fois qu'on a... Alors, je vais prendre par exemple l'arc. Alors, vous avez vu, j'ai fait l'arc, j'ai fait l'épée. J'ai fait aussi ça. Parce que pour tuer le dragon, oui, vous n'avez pas eu le timelapse du dragon, résultat, parce que juste ça a été trop long. Ça a été beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Ça... J'ai galéré au début, je voulais le faire avec ma sulfateuse, un dragon, la sulfateuse était vide. Donc, fallait à chaque fois que je fasse des allers-retours à la base pour recharger le... Pour recharger ma sulfateuse, donc ça n'allait pas. Donc j'ai fait l'arc de Draconique, donc j'ai commencé avec le Wyvern, bien évidemment, qui se craft comme ça, donc il faut faire le Wyvern Energy Core, bon c'est pas très compliqué. Voilà, il faut juste du Draconic God, j'en ai pré-process, comme ça c'était réglé. Voilà, donc il y avait ça. Donc et après donc j'ai pu faire donc je vais vous montrer avec le RF Capacity parce que c'est ce qui est utile surtout. Donc le premier tiers, donc le tiers basique, ça se fait avec deux pommes d'or, deux diamants, deux Under Eye, l'upgrade de RF et le Draconic et un Draconic Core. Donc ça on les dispose comme ceci hein, dans les trucs. Donc ça voilà, ça c'est le premier tiers. Et ça consomme 256 000 RF. Ça va encore, ça va encore. Deuxième tiers, deux Nether Stars, deux Draconic Core, deux Emeraudes, la capacité upgrade et un Wyvern Core. Donc qui est le truc qui se craft avec des Draconic Core. Voilà, donc ça va, mais ça commence déjà à coûter 4 millions de RF. À faire x6 parce que il y a donc ça c'est une upgrade à mettre sur le casque, sur le plastron, sur le pantalon, sur les bottes, sur le sur l'épée et sur le l'arc. Je n'ai pas fait la pickaxe, je n'ai pas fait la shovel parce que voilà ma tolérance à la souffrance a ses limites. Et donc 4 millions de RF à chaque fois. Excusez-moi, j'ai un appel. Bon, j'ai Zari au téléphone là sur Skype. Il se démutera si jamais il veut rejoindre le serveur de 2 minutes. Donc, pour finir le troisième tiers, on en était là. Donc, il faut le RF Capacity toujours. Ça coûte encore 2 Nether Stars supplémentaires. Ça coûte 2 Wyvern Core. Et ça coûte, voilà, ça coûte 2 blocs d'émeraude. Et ça coûte le Awakened Core. Qui se fait avec 5 ingots et 4 Wyvern Core. Et les Awakened Draconium Ingot, c'est un enfer à avoir parce que pour l'avoir, il faut des cœurs de dragon. Hop, attendez que je... Voilà. Non, c'est ça que je veux voir, voilà. Donc il faut faire donc des blocs de draconium. Donc déjà, ça coûte 9 de draconium, voilà, mais ça... C'est pas des problèmes, j'en ai des milliers, ça. Ça coûte des Draconic Core, donc ça, voilà, ça se fait, c'est pas compliqué. Mais surtout, il faut le cœur de dragon, et le cœur de dragon, on les a en tuant des Ender Dragons. Donc j'ai dû en faire... Alors j'en ai fait une vingtaine, puis j'en ai retué 2, 3, 4 après, quand j'avais l'armure complète, pour le fun. Et ça coûte 350 millions de RF. Wouhou! Et il fallait faire 20 blocs. Ah, déjà 20 blocs rien que pour faire les fusions crafting qui sont là. Et donc ben ça déjà dès que j'ai fait 4 crafts, j'ai vidé ma base. J'ai vidé ma base en énergie. C'était un enfer. Et après une fois qu'on a ça, il faut créer la on peut upgrade. Attendez, on peut upgrade. Voilà. Donc une fois qu'on a le deuxième tiers, il faut passer donc les outils en wyvern en draconique. Sinon, le troisième tiers ne s'installe pas dessus. Donc, pareil, il faut des Awakened Core. Il faut le Draconic Energy Core, pareil, qui se fait voilà, avec des Awakened. Voilà. Et donc, ça, bah, c'est un enfer à faire. Et surtout, pareil, ça consomme. Alors, soit ça va. L'upgrade coûte que 64 000 RF, ça coûte pas cher. Mais par contre, le troisième tiers, quand vous passez les upgrades en tier 3,
Ça vous coûte 256 millions de RF par upgrade. Donc, il y a 6 upgrades en RF capacity à faire. Il y a 2 upgrades pour l'arc. Il y a 2 upgrades par élément d'armure. Donc, le shield et le shield recovery. Tout ça, donc, c'est pas compliqué, hein. J'ai bouffé quasiment 10 milliards de RF pour cette saloperie d'armure. Donc j'en peux plus. Voilà. Bon, je vais voir avec Zari s'il veut passer sur le serveur. Il est en train d'installer le modpack. Donc je vous reprends après, peut-être avec lui, on verra. Je vais lui faire 2-3 cadeaux pour son arrivée sur le spawn. Bon, comment vous dire? Alors premièrement, vous devez mieux m'entendre avec le micro, parce que il s'est passé des trucs avec le micro. Disons que le micro que vous savez, c'est un nouveau micro que j'ai depuis plus d'un mois maintenant. Et je comprenais pas pourquoi au montage je devais monter de 15 décibels ma voix pour qu'on m'entende mieux dans les vidéos. Et c'est parce que dans les options de Windows le son de mon micro avait baissé. Pardon. Bref, voilà. Donc ça, c'est le premier truc de l'enfer. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ici, ça augmente beaucoup. J'ai inversé l'importeur et le... D'ailleurs, je crois que j'ai rien paramétré dans l'importeur. Ouais, faudrait que je paramètre 2-3 trucs dans l'importeur. Mais bon, ça, voilà, c'est du détail, ma petite dame. Voilà, petit bloc d'aérome, petit bloc de copper, tout ça. Parce qu'à mon avis, ça galère un petit peu. Hop. Ici, juste rapidement, ici, vous l'avez peut-être pas vu, mais voilà, j'ai augmenté mon nombre de casing blessing parce que ça suivait pas. Clairement, mon iron suivait pas. Maintenant, ça suit. Toutes mes ressources suivent correctement. Donc voilà. Donc ça c'est bien. La seule ressource que je galérais, c'était pour le sable. Et j'ai enlevé mon builder dans l'overworld parce que tiens d'ailleurs, est-ce qu'il est connecté? Non, il est pas connecté. Oh! 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 D'accord, bah il est mort là. Il m'a dit qu'il était mort en tombant dans l'end, mais bah, je vais lui dire que j'ai sa tombe juste à côté de mes fan miners. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a dedans? Non, je peux pas. Oh bah vous avez la date à laquelle il est mort en plus. Voilà. Oui, parce que c'est tourné en 2021, tout ça. Même si ce sera publié certainement en 2022. Mais voilà. Donc il est mort là. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, j'ai rajouté un Igneous Extruder avec une upgrade un peu particulière, l'upgrade classique déposition, qui permet notamment de faire du sable. Alors ça permet aussi de faire beaucoup de choses, hein, bah, tout ce qui est sable, sandstone. Voilà, il y a beaucoup de choses que ça peut faire. Même du gravier, tiens, ça c'est intéressant, mais voilà, mais c'est surtout du sable. Pour le moment, je l'envoie pas, pour le moment, j'ai tout stocké dans ce drawer, et si jamais j'ai besoin de sable, je peux activer ce truc pour envoyer du sang de... Pour envoyer du sable. Ouais, parce que là, j'ai 9K. Ouais, bon, voilà, c'est si j'ai besoin de verre, voilà, je peux produire du sable d'ici. Juste ce truc-là. Juste pour vous montrer. Alors, il faut voilà du nickel gear, c'est pas compliqué. Une lead plate, une redstone conductance coil. Donc, ça allait. Le truc, c'est ça, c'est l'aerotheum dust. Pour l'aerotheum dust, bon, il faut du nitère, ça, c'est pas trop un souci. La redstone, pas un souci du tout. Mais il me fallait de la blitz powder, qui n'est pas de la blize powder. Attention, c'est pas la même chose. Pour ça, il faut une blitz rod. Et donc ça se loot sur des blitz qui ne sont pas des blizz. Hein, vous vous souvenez, on avait les blizz qui sont les espèces de blaze bleus. Donc qui sont ici. Hein, si j'en fais spawner quelques-uns, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc ça.
Non, ça c'est des Blaze. Ça c'est des Blaze. Excusez-moi, c'est à côté. C'est à côté. Hop. Voilà, ça c'est des Blitz. Ça en bleu là, c'est des Blitz. Voilà. Eh ben, il me fallait des. Enfin, ce sont des Blizz, pardon. Et donc, ce qu'il me fallait, ce sont des Blitz avec un TZ à la fin. Et donc, je les ai fait spawner là, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc ils sont blancs cassés et ils spawnent apparemment dans les déserts. C'est Harry, ça c'est Zenzari qui m'en a chopé deux. Donc puis je les ai foutus là, voilà. Bon, donc voilà, donc j'en ai fait spawner quelques-uns pour faire mes. J'en avais besoin que deux, hein, de toute façon. Mais voilà, j'ai quand même fait le spawner au cas où. Voilà. Comme vous pouvez le voir, au niveau de mes disques, j'ai déjà 13 millions d'items. Cet enfer, et ça continue d'augmenter. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Un tout petit truc, parce que j'ai pas trop le temps de tourner. Ça va être. Ouais, je vérifie juste ici. 49 millions, c'est débile. C'est débile. Ici, j'ai quand même mis le flux machin, parce que voilà, quand j'ai besoin voilà, de recharger quelque chose, ça va plus vite de le mettre là. Bon, enfin, voilà, ça c'est du détail. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? C'est d'aller se faire le Chaos Guardian. On va essayer de se le faire. Vu que j'ai l'armure de Draconique, que j'ai pu tester un petit peu, que je suis plutôt confiant, on va dire, dans l'efficacité de mon armure draconique. Donc, il y a tout sauf le jump ici. Et qu'est-ce qu'il y avait que j'avais pas vu qui est. Il n'y a pas une capacité que j'avais pas? Non, non, il n'y a que le jump boost que j'ai pas parce que ça m'intéresse pas. Ouais, ici, je n'ai pas le draw speed, mais on s'en tape. Enfin, je sais pas trop à quoi ça correspond, donc on s'en fout. Ah, si, c'est. Ah, purée, si, c'est pour la charge. C'est le temps que je mets, à mon avis, à charger une flèche. Ça doit être ça, le draw speed. Ouais, ça serait pas mal de l'augmenter. Bon, c'est pas grave. Je le ferai pas, c'est pas grave. Et j'ai juste rajouté l'AOE speed, enfin l'attaque AOE sur l'épée, ce qui me permet, voilà, de taper. Non, ça me permet pas de taper plus vite, mais je crois que ça fait des dégâts de zone avec l'épée. Bref, voilà. Bref, on va sur le Chaos Guardian. Juste avant, je vais vérifier. Attendez. Tac, tac, tac. Ouais. On va juste lâcher ça. Ça, j'en ai en avoir besoin. Ce qu'on va faire, c'est tout ce que je n'ai pas besoin. C'est-à-dire, bah, les golden, en vrai, j'en ai pas besoin. Le Crescent Tamer non plus. Le magnet, je vais pas en avoir besoin. Et la pioche. Voilà. Donc, ça, c'est mon sac. Que je ne veux surtout pas perdre. On va quand même prendre des précautions en fait, hein, avant de voilà. En vrai, le wireless crafting, je vais pas en avoir besoin, même si je peux le recrafter, ça c'est pas un souci. Hein. Voilà. Je n'ai pas mon armure de secours parce que je l'ai filée à Harry. Ah oh bah, je suis con, elle doit être dans la tombe. Elle doit être dans la tombe. bon, si jamais je meurs, j'ai toujours l'armure de secours. Dans la tombe à Harry, résultat. Donc oui, donc Harry rejoint l'aventure. Voilà, mais il se connecte de temps en temps. Il voilà, on verra un petit peu ce qu'il fait, comment il avance et tout. Mais là, aujourd'hui, c'est Chaos Boss. Et la mauvaise idée, c'est que. Alors, attendez, je vais juste faire une petite coupure ici. Juste, en fait, le temps d'aller pisser avant de commencer, je suis désolé. Bon, je suis de retour. Finalement, j'ai été rechercher ma pioche. Parce que je suis con, mais il y a des. Il y a des healers qui sont protégés par des cages au niveau du Chaos Guardian. Donc il va falloir. Voilà, il va falloir s'en occuper. Je crains le pire, je crains le pire, je crains le pire. Oh, purée!
Oh les dégâts! Oh les dégâts qu'il me fait l'enfoiré! Il m'a bouffé 20% de mon bouclier en quelques boules. J'ai plus de bouclier, j'ai plus de bouclier, j'ai plus de bouclier, j'ai plus de bouclier, j'ai plus de bouclier. Ah, cet enfer! Par contre, mon armure, elle me maintient en vie. Alors, elle me maintient en vie, en fait, tant que j'ai de l'énergie, en fait. Mais j'ai pris tellement cher! J'ai pris tellement cher, sa mère! Oh! Eh mais il est insane! Heureusement que l'armure, elle me maintient en vie, hein. Oh! Mais c'est pas possible! Faut y aller en plusieurs fois, mais je devrais... C'est un enfer en fait. Ah oui. Alors oui, c'est vrai. Vu que j'avais désactivé mon mode fly parce que j'avais vu que que l'armure me faisait voler quand même, mais ce qui est normalement le rôle du mode morph, hein, tout simplement. Oui, mon armure me fait voler. Il y a pas de souci là-dessus. Voilà, hop, on va virer le laser drill et puis bah on va recharger ça, hein? Résultat. Mais je vous jure. Ah, cette violence! Bon, ben je recharge mon armure et on y retourne si j'ai le temps d'y retourner parce que je vous avouerai que j'ai rendez-vous après. Donc bon bah ben,